Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on vous emmène au Festival de 12. Bienvenue dans la team Ardèche Baroud. Nous, c'est Karine, Mehdi, Lucas et Bully. En 2022, on a tout quitté. Nous voilà à 12. 12 est une petite ville typique des portes du désert, en fait, assez conservatrice et très familiale. Donc on en profite dès qu'on est à 12 pour aller au camping de chez Sophie, une Française qui tient le camping Desert Club, c'est en plein centre-ville. En même temps, quand on est au camping, on fait les réparations sur le camion. Ici, c'était la plaque de gaz qui était bouchée, donc on a tout débouché. Et quand je trouve un peu de wifi, j'en profite aussi pour avancer un peu sur le téléchargement des vidéos et tout ce qui s'ensuit. Début de festival, assez haut en couleur. J'en profite pour me faire un tatouage qui est l'argossa dans la rue. Donc il faut quand même être vigilant sur la qualité du produit, ça peut créer des infections derrière. Et c'est très très beau. Une tuerie, c'est un bamboulani, c'est trop bon. Le festival de 12, c'est quoi? C'est un festival où c'est qu'en fait on regroupe plusieurs nationalités des pays africains et ils montrent en quelque sorte les pratiques et les traditions de chaque pays au niveau des pratiques berbères surtout, berbères, amazigues, tout ce qui est ceux qui ont vécu dans la montagne, plus paysans en fait. Et c'est très sympa à voir. Vous allez voir, vous allez très vite être dans l'ambiance. En Tunisie, comme dans la majorité des pays africains, la musique a vraiment un rôle important lors des fêtes. Ben voilà, vous avez un échantillon de la musique tunisienne.
Donc au festival, on retrouve les chevaux, bien entendu, les dromadaires. Et il y a des courses de chevaux, de dromadaires. Et il y a aussi les chiens, je ne sais plus comment ils s'appellent, cette race de chiens là-bas. Ça ressemble aux lévriers, en fait, c'est des grands chiens. Et ils font aussi des courses. Donc il y a eu tous ces types de courses, en fait, sur les 4 jours. Termine ce festival de Douze par les fêtes de Noël. Oui, on est encore dans les vidéos de Noël. Donc voilà, on se fait un petit réveillon sympa au camping avec plein d'autres nationalités. Et on invite même le gardien du camping pour partager un moment tous ensemble. À bientôt !